En avant. Du coup, on en était où? Je réfléchis une demi-seconde. On peut, si vous le souhaitez, se retaper l'école pour essayer de faire un S. Mais j'ai pas envie d'être en mode gaming. Donc c'est en mode, on essaie de faire mieux que le truc d'hier soir. Donc faut taper hyper rapidement. Quitte à la limite à être en mode chacun part, chacun de son côté. Parce que le but du jeu, c'est de tomber le plus vite possible sur le bonhomme qui... Parce que le problème, c'est le fait qu'il tue des civils. Merci. On est d'accord? Donc vaut mieux qu'il tue, au pluriel, des civils. Au pluriel. Donc le mieux, c'est qu'il tue des mecs en bleu plutôt que des étudiants. Vous comprenez? Et pour ça, du coup, ça veut dire que quand on arrive, faut limite se split, en fait. Faut limite chacun partir de notre côté pour aller taper directement et les bombes et les bonhommes. Essayer de l'isoler dans un coin, quoi. Non, faut essayer de les traiter le plus possible. Vaut mieux qu'ils soient en train de nous tirer dessus, tu vois ce que je veux dire? Qu'ils tuent sur les, qu'ils tuent des civils. Parce qu'autrement, si on prend un peu trop de temps, ou si on prend trop de temps à les trouver, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre bang bang, et ça, ça va être un civil. Et du coup, on va terminer la mission, et on va se dire, ah bah merde, ils nous ont donné E, puisqu'on a mis trop de temps pour intervenir. Donc c'est comme vous voulez, là c'est un vote démocratique. Est-ce que vous avez envie de vous la retaper parce que hier elle était pas... Bon, on en a parlé et tout, la façon dont ils notent, je suis pas d'accord avec eux. En plus les notes, elles veulent pas vraiment dire grand chose en coop puisqu'on peut même pas les retrouver les notes. Donc c'est plus du tout comme avant, dans l'ancien système où c'était bien marqué quelle était ta meilleure note, ton machin, ton truc. Ou alors on passe directement à la suivante qui est du coup le Costavino Border Reserve. Moi, je suis chaud de la refaire, si on peut faire un S. Ouais, après, c'est comme vous voulez, les gars. Dany ? Ouais, je suis chaud aussi. Ok. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que on part dans une logique où au final, il n'y a pas de shield ? Ah. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver. Ouais, moi, je suis chaud comme ça. On va arriver et on va de toute façon être splitté, en fait. C'est obligatoire. D'accord ? On va arriver et on sait qu'il va y avoir du dessus, de la droite, de la gauche, du haut, du bas, etc. Pourquoi est-ce qu'on part pas à la limite dans la logique où il y a des... On n'est pas vraiment... Enfin, c'est pas une équipe d'intervention telle qu'elle percée, si je puis dire. C'est cinq flics qui passent par là et qui doivent intervenir tout de suite, quoi. Avec le matos, la plupart du temps, qui n'est pas vraiment un shield dans le camtar, quoi. Ou dans le coffre de la bagnole. Ça me va. Ouais. Moi, ça me va, moi. Dany, pareil ? Ça me va aussi. Ouais. Ok, bon, one shot, alors, dans ce cas-là. Vous pouvez changer de matos, du coup. Et on se le tape vite fait. Mais j'y ai réfléchi. Et je me dis, si on essaye d'y aller en mode propre et tout, wedgé, plus... Enfin, d'y aller en mode safe, comme on devrait le faire... Ils vont nous punir en nous disant « Vous avez mis trop de temps. » Déjà, il y a 11 minutes pour taper les bombes. Grand max. Ça, c'est le max du max. Ok ? Et après, on peut s'attendre à ce qu'au bout de 4 ou 5 minutes, ça commence à taper les civils. Vous jouez à 5 ? Ouais, on joue à 5, ouais. Moi, du coup, 4 chargeurs, ça suffit, du coup, ou il faut que je reprenne... Là, c'est shotgun, smoke, t'as pas vraiment besoin. Franchement, là, je t'ai dit, 2 chargeurs de fusil à pompe. Là, t'enlèves juste ton shield dans le dos. Oui, tu peux garder ton shield dans le dos si à un moment ça commence à tirer, que t'as envie de rentrer dessus et que tu te retrouves avec un... Franchement, c'est pas si con. Hein. Mais l'idée, c'est de pas à un moment... L'idée, à un moment, c'est pas d'être dans une logique de ton shield. Du coup, tu sais, t'es un peu frustré parce que t'as envie de taper dans une porte, mais ton pote qui est derrière est en train de faire quelque chose d'autre et tout, quoi. Là, l'idée, c'est on va dans le truc et on se split. Ouais, en fait, limite, c'est on y va en colonne, tous les uns derrière les autres. Dès qu'on a une ouverture, dès qu'on a une ouverture, chacun part. Et après, on se retrouve. Ouais, voilà. Et on n'arrête pas de se parler tout le temps. Moi, ça me va, moi, ça. Ok. Faudra juste faire gaffe quand il y a plusieurs packs dans la même pièce, demander du mec, hein, enfin, du renfort. Ok, ça marche. En avant. Y, dès que prêt. Parce que si les deux mecs se relèvent sur vous... Donc là, c'est la première fois qu'on refait une mission, chat. Hein. C'est la première fois qu'on refait la mission.
Enfin, ah non, c'est vrai. Non, il y en a eu d'autres qui ont été refaites, etc. Mais en tout cas, dans une logique où on considère qu'elle était terminée pourtant la mission. Mais là, dans une logique d'aller récupérer moins RP, plus jeu vidéo, la note ultime, quoi. Ça me va. Sachant qu'hier, en plus, j'ai pris une dinguerie. Ah ouais? J'étais en train de mettre les menottes à un mec, et un mec, il a défoncé la porte et il m'a reculé instant. Putain. J'étais trop deg. Et il y a... Tous les mecs au sol, vous les reportez, vous les laissez pas derrière en vous disant c'est une pauvre nana avec un sac à dos, bas les couilles, ok? Vous les reportez, vous les gérez, ok? Let's go. Il y en a qui peuvent partir, gros, à, gauche, partir à gauche. Hein. Chacun fait comme il veut, j'en ai rien à foutre, ok? Là, c'est vraiment du free for all pour le coup. On se parle. Monsieur. Ok. Danny, t'es prêt? Je défonce la porte, tu rentres. Instant. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3, go. Ah putain, ça veut. Vas-y, go. Ok, ça rentre. Je suis porte principale du coup. Ouais. Ok, poulet, je monte. Je suis avec toi, Six. Ok. Ah, je pars en haut, tu gères le bas. Civil en haut. Ok, bien vu. Ok, je suis bibliothèque. Ok, deuxième garde pris. Ça shoot. Info. Tout en haut, bibliothèque, okay, j'ai un pris. Ok, bah je suis toujours dans le... Je progresse dans le couloir en bas. Une bombe de diffusé. J'ai smoké sur moi, ça tire, j'entends rien. Au top, au fond, à la barre. Caché avec toi, c'est toi, souris, oh là là, désolé poulet. Ok. Je suis vraiment désolé poulet. La preuve. Librairie, c'est bon, c'est clear ou pas? Je suis pas sûr. Il y avait un mec dans la librairie, je l'arrête. Un fils. Mais c'est pas un. Ça tire? Quelqu'un met ça sur. C'est en dessous, je sais pas. Quelqu'un est mort. Bah, c'est pas moi, je suis au niveau de la cafétéria. Putain, l'autre qui a pris un bastos. Y'a qu'un appel en fil ou pas? C'est Alro qui a dû décéder, les gars. Dans l'amphi, je crois, les gars. Affirmatif, à l'entrée dans l'amphi. Il est parti à l'entrée. Ok, c'est rendu. C'est moins droite. Ok. Ok. Il y a une bombe, je suis en train de... Non, il s'est pas rendu. Bah, il... Il est où pour toi, poulet? Midi. Midi, ok. Je vais smoker en haut. RAS au top pour l'instant. Ok, non, il y a un mec dans le couloir. Non, pop. J'en ai un top amphi, j'en ai sûrement deux dans l'amphi. J'arrive, je suis derrière. Please, j'ai besoin d'être sur l'amphi, les gars. Ah, on est plus que les deux. Oh putain. Un arrêté, continue en face de toi là où t'es en train de regarder, vas-y. Est-ce que t'as... Putain, les bombes, poulet. Si ça bip, tu dis, hein. Ok, j'en ai déjà désamorcé, il y en a 3 ici. T'es un monstre. Turn around, don't get up. Balance des salumes, s'il te plaît. Balance des salumes des devant les portes qui ont été traitées, ok? Ok. Okay. LSPD, hands up. Talk. Officer down, repeat, officer down. Talk to entry team. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Talk. Civilian restrained and ready for transport. Talk reporting. Great work, entry team. Keep it up. Okay. Oh non, mais qu'est-ce que c'est, gamin? Hands up. LSPD, don't move. Qu'est-ce qui parle derrière moi? Qu'est-ce qui bouge derrière moi? Ah non, te tiens sur moi, fils de pute! Vas-y, à terre, toi! À terre, la vie de merde! Ok, je suis tout seul. LSPD, don't move! Stay calm while we sort this out.
Civilian ready to go. Lead, stop. Civilian is good to go. Compliant. Talk to element. Camera. Great work, entry team. Keep it up. Je suis tout seul. Slowly get down on the ground. I'm listening. Get down now. This is necessary for the safety of everyone. Civilian is ready. Entry team, talk. Civilian is secured. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Waouh, on est très efficace à ce que je vois. Ouais, non, mais. Le truc, c'est. Non, si, c'est. Mais Quentin, pourquoi je t'ai perdu là? Mon jeu, il a décidé de se fermer. C'est pour ça. D'accord. Erreur du jeu. Putain. C'est pas mal comme ça, n'empêche. Hein. Non, c'était sympa, ouais, mais. Ouais, ça change. Parce qu'on est nul à chier, quoi. Enfin, on est nul à chier. Enfin, moi, personnellement, je me trouve très bon. Hein. Je vous ai trouvé. Ça, oui, j'ai trouvé mes teammates nul à chier. Attends, je suis tout seul et tout, quoi. Là, je tire la. J'avoue que je loupe la balle, par quoi. Par contre, le mec qui me tue, Oui, mais moi aussi, hein. J'ai ouvert une porte, j'ai pris une dans ce temps. Ah, bah ouais, parfois, ils peuvent, ils peuvent mettre des dingueries, hein. Voilà. Quentin, tu reviens? J'aurais dit. Non, j'allais dire limite la faire en létal, non? Non. Non. Non, parce qu'il n'y aura pas le S du coup. Si tu peux, hein, bah tu peux faire. Non, j'ai essayé, j'ai essayé parce qu'on en a parlé plusieurs fois et on n'est pas d'accord. Et du coup, j'ai essayé, tu peux vraiment pas faire le S si t'es en létal. Ok. Ah ouais. Bah j'essaierai de le faire. Bah tu pourras essayer, tu verras. Parce qu'en fait, ça se fait vraiment par rapport au point. Et comme disait Tisma la dernière fois, quand t'arrêtes un mec, t'as 35. Et si tu tues un mec, t'as que 5. Oui, mais. Et non, mais c'est sûr et certain, j'ai tout essayé. Même en légitime défense. Même en légitime défense. Bah oui, parce que tu pars du principe. Bah ouais, le S, c'est vraiment le fait. Moi, j'aime bien, hein, franchement. Hein. Ça te donne du A. Voilà quoi. Attends, mais. Bah là, pour le coup, non, je trouve ça vraiment intelligent d'être dans une logique où si t'as la possibilité d'être en létal et dans non-létal, c'est quand même beaucoup mieux de ramener un mec et de le mettre devant la justice que de l'exécuter sur place. Oui, c'est sûr. Mais bon, quand tu pars, quand par exemple le GGN ils partent en colonne d'assaut, etc., ils y vont pas avec des ceintures et des pistolets à billes. Oui, d'accord, oui, ok, ils y vont pas avec des pistolets à billes, mais oui, y aurait que des débiles au GIGN, pourquoi pas, d'accord, mais en l'occurrence, 100% des personnes, je l'espère et j'ose l'espérer au GIGN, sont dans une logique où si à la fin de la journée, il y a personne qui est mort de part et d'autre, bah c'est mieux, en fait. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire, indépendamment du fait que voilà quoi. Parce que c'est trop facile d'être dans une logique blanc-noir, de se dire le mec était un fils de pute et tout machin. Tu vois ce que je veux dire, moi je suis pas. Personne n'est tout à fait tout bon ou tout mauvais au final quoi. C'est sûr. Le GIGN recherche le S. Quentin, tu nous dis quand t'es là. C'est pour ça qu'ils ont comment il s'appelle déjà le mec avec son haut-parleur là. Putain, quoi, j'ai perdu le négociateur. Ouais, le négociateur. Avec c'est son lui, haut-parleur. En fait, ou le téléphone de du mec. Quoi, mais... Oui, c'est ça. C'est lui en fait qui choisit en fonction de la mission si ça va être un S ou un A. Oh merde. En vrai, la problématique, c'est comme je disais, tout dépend de l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens, quoi. C'est ça, ouais. Non, c'est en obligation de résultat, du coup, tu vas attribuer une note, si je puis dire, à la personne en fonction des résultats qui sont attendus. Là, on est en obligation de résultat. Tant de personnes, tant de civils, tant de trucs, c'est du résultat. C'est ton plombier qui intervient chez toi, il est en obligation de résultat. T'as un problème, il n'a pas le droit de ne pas le fixer, ok? En revanche, un mec qui intervient comme ça, un pompier qui intervient sur un truc, un médecin qui intervient, il est en obligation de moyens, d'accord? Il doit faire du mieux qu'il peut avec les éléments qui sont donnés, et si un jour il doit être noté par rapport à son intervention, il devra prouver qu'il a fait le mieux qu'il pouvait, indépendamment du résultat.
D'accord. Mmh. Le médecin devra dire bah voilà, je, par rapport aux éléments que j'avais, j'ai fait du mieux que je pouvais. Le mec est mort. Bah, c'est pas grave. Parce qu'il y a des mecs parfois qui meurent alors que t'as fait de la merde. Enfin, il y a des mecs parfois qui tu vois ce que je veux dire, qui meurent alors que t'as fait un truc absolument exceptionnel. Et des mecs qui vivent et qui, alors que pourtant t'as fait de la merde. Il y a des mecs qui vivent avec un couteau avec un scalpel dans l'estomac. Et il y a des gens qui meurent avec une infection de merde qu'ils ont chopée pendant l'hôpital. Et c'est pour ça que c'est important. Et des mecs comme ça interviennent avec une obligation de moyens au final et pas une obligation de résultat. Merci Théo pour les 3 mois. On n'est pas des plombiers. Non, je suis là au cas où. Ok. Bon, t'es prêt? Ton PC il va tenir ou pas? Bah, je pense que le PC il va pas exploser, je pense. Ah, ok, ça marche. Bon, du coup, c'est quoi cette arme là? Ah ouais, c'est bon, elle est pas... Elle n'est pas apprivoisée. Elle n'est pas apprivoisée. Ouais, ouais, bah apprivoise-la bien. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, let's go du coup. Ah oui. Je comprends pourquoi on n'a pas de S aussi. Après, il y a une autre... Il y a entrée sud et sortie nord. Bon. Je sais pas ce que c'est. Entrée sud, du coup, c'est là, mais de la sortie nord, ça doit être de l'autre côté où il y a le... Enfin, par définition, c'est de l'autre côté. Mais c'est là où il y a... Ah, j'ai pas vu le terrain de tennis, mais là où il y a une espèce de... Une petite cour intérieure, un barbecue... Ouais. Quel est le plus près de l'endroit où ça tape, franchement? En fait, le problème, c'est l'amphi, non? L'amphi. Ok, on est à peu près sûr de trouver un mec en amphi, bon... Et à l'étage, dès qu'on arrive, en fait, il y a un mec dans l'escalier au-dessus, quoi. Faut faire les missions dans l'ordre? Non. Non, non, même si c'est un peu bizarre, parce que en haut à droite, ça te marque que tu peux débloquer les missions. Quand t'avances, ça te débloque la mission d'après. Mais en vrai, elle est déjà débloquée. Encore un petit... des petits ajustements, quoi. Enfin, j'ai pas testé pour voir si elle était bloquée ou pas. En vrai, je l'ai fait dans l'ordre, pour le coup. Mais voilà. Mais ça t'indique que tu l'as débloquée, quoi. Après, vaut mieux les faire dans l'ordre, parce qu'il y a un lore. Allez, let's go. Ça suit, quoi. Courez, hein. Okay, n'oubliez pas l'espace. L'espace fort. Entry team. There may be one or multiple. Qui est-ce qui est derrière moi? C'est moi, gros. Ça tire déjà, hein. Moi, je vais faire la même, je pense. Vas-y, je fais la même, moi aussi. Hein. Que je mange à l'étage, je crois. What the fuck? C'est où, ça? Hands up, don't move, LSPD. Police, get your hands up. Down on your knees. Put your hands up now. LSPD, don't move. Relax. J'ai pris un mec. Pris un mec, quoi? Ça veut dire quoi, ça, poulet? Un traité? J'ai pris un mec. Je suis dans l'amphi, moi, je suis top amphi déjà. Hein. Okay. Je suis la smoke le top amphi. Hein. Je suis en bas de l'amphi à gauche. Eh ben, je rentre dans l'amphi maintenant. Ok, je suis en bas de l'amphi. Ok, top de l'amphi, clear. Milieu de l'amphi, je vois rien, je suis à côté de toi, je suis à ta gauche, Danny. En bas là-bas, il doit y avoir du monde. Hein. Deuxième hostile PC. Ok, Alro, t'es un monstre. Que j'ai un point à la bibliothèque. J'arrive en haut de l'amphi, c'est moi qui ouvre la porte. C'est ouf, c'est clear l'amphi. Et pète arrière clear, et j'ai plus la bombe de la dernière fois. Ok, j'avance vers toi, Alro, je suis à ta gauche. Ok, vas-y. Faut jouer ça là, la porte à gauche là. Celle-là elle a pas été jouée. J'ouvre, let's go. C'est XT, est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Vas-y, on s'en bat les couilles. Vas-y, ouvre la porte en face de toi là. Y'a une smoke qui part, si c'est la merde. Elle part en haut, on part à droite. Vas-y. J'en balance une autre. Go. Ok, je pars à droite, à tout à l'heure. Ça tire mon poulet, c'est toi? Contact sur moi à gauche, ouais. Ok, ouais. Bien pris. Là où on est rentré à gauche, fais gaffe. Dans le couloir ou pas?
Ouais. Ok, bah c'est smoké dans le couloir. Il décale. C'est bon, tu l'as. Coiffe-le. Je prends la droite. Ok, il est traité, allez, continue. Ça dit du fuck you là. Je resmoque au fond. Ça balance du fuck you, mec. Ouais. Ça vient de buter un otage, je pense. Laboratoire. Civilian is ready. Lead to talk. Talk reporting. Great work, Entry Talk. Officer down, requesting a meet. Talk to high ground. Et la librairie, c'est ok du coup? La fille. Ok, vas-y, Dennis. Ok, c'est bon, poulet. Ok, Danny, c'est Ras ici, poulet. Ok, viens avec moi, poulet. Danny, t'es parti où? Ok, je vais pousser la porte, poulet. T'es prêt? T'as les locks, c'est mort. Vas-y, go. Je suis avec toi. Ok, Raz, vas-y, viens, on bouge. Selon les renseignements, il n'y a plus de force hostile. Ok, reçu. On a fait les bombes. Ok, il y a une bombe sur nous, Danny. J'ai trouvé aucune bombe. Ok, je m'occupe de la bombe. Le petit IED, là. Talk reporting. Ok, je sais pas combien il y a de IED, j'en ai fait un là actuellement. Et cafétéria, normalement c'est clair. Je regarde tout en l'amphi. Ok. Je te laisse là, t'as checké. Yo Polo. Ça va les gars? Merci Théo pour les 3 mois et merci à tous ceux qui payent des droits de scolarité. Surtout sur ce genre de jeu, je l'ai déjà dit. C'est pas Rainbow Six, donc ça me touche énormément. Ok, je m'occupe du Pax là. Plus que si c'était Rainbow Six, du coup. What? Pourquoi je peux pas? Tu fais quoi toi? Parce que c'est pas Rainbow Six, donc ça me touche énormément. Ça me fait plaisir de pouvoir faire un autre jeu, je vais pas vous mentir. Et de vous proposer du contenu qui plaît. Vas-y, attends, je le fais venir. Yo Thunder, comment ça plaît? Je pouvais pas. Okay, ah, vous êtes des monstres. Merci Jaden, t'es un monstre poulet, vraiment. Merci d'avoir offert la possibilité à Petit Duche, à Bosco, à Kelvin, à Vince Pince et à Skurs leur droit de scolarité. Vraiment, ça me fait plaisir, vraiment Jaden. Toi, j'ai l'impression que le contenu te plaît. Merci mon poulet. Merci, envoyez des GG des cœurs pour Jaden, plaisir. Bosco 915, le monstre. Passez droit au campus. Merci Théo. Qui a reçu? Putain, mais depuis tout à l'heure, je parle pour rien. Après, ça se trouve, il y a un gars qui est peut-être dehors, je vais aller voir. Putain, je me dis, personne ne me répond rien, vache. Bah non. Ok, il y a une bombe là qui a été. Elle a été des âmes. Ok, nickel. Les gars, y'a qui a fait des bombes? Danny, t'en as fait moi, une du coup? Oui, du coup, c'est ce que je disais, moi j'en ai fait une dans la salle d'ordinateur. Toi, t'en as fait une, donc ça fait deux. Il en manque une, c'est ça? Je pense, je sais pas combien il y en a. Je sais pas non plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a que deux. Et il reste des civils quelque part. Ok, ouais, non, c'est bon pour les bombes. Il reste juste un civil à. Attends, j'en ai trouvé un là. À restrain. Ah, c'est. Ok, c'est okay, bon. Ok, nice. Bien joué, les gars. Mais je pense pas qu'on aura la dégâts, non. On a perdu un collègue, quoi. Ouais. Oh, c'est Six. Nique ta mère. Hasard. Non. Allez. Oh. Hasard. Je pense que c'est les civils, hein. Je pense qu'il doit y avoir 14 civils et non pas 13. Le mec qui meurt dans le laboratoire, dans le labs là, dans le truc un peu plus renforcé, à un moment ça tire. Et le truc c'est que de temps en temps, il y a des one tap, pas de spoil hein, dans le chat, please les surveillants si vous êtes là, soyez vigilants là-dessus. Du coup. On aurait eu le truc barré du coup, là c'est pas le cas. Moi j'ai pas vu de civils morts. Hein. Non, y'a pas de civils morts, sinon on aurait eu le truc barré là, sauver tous les civils. Non mais là regarde, je suis sûr il manque. Le score max, je pense que c'est 2200 et il manque 5. Là, parce que tu vois, il manque rien du tout. Hein. Donc vraiment. Il manque moins en vie, c'est tout? C'est ça, j'ai l'impression. Ouais. Donc du coup ça a changé ça? C'est encore. Bah, ça se trouve en fonction des missions, je sais pas, faut essayer de la refaire à 5, voilà, et personne meurt. Une mission sur laquelle tu te prépares comme un ouf, t'as le droit de mourir,
Mais là, une mission pour lesquelles t'es obligé d'intervenir tout de suite, où t'as 11 minutes pour intervenir, des bombes à diffuser, des mecs à traiter et des civils entre les deux qui se font en plus exécuter, qui sont pas juste là en tant que bouclier, qui sont exécutés. Là, t'as pas le droit de mourir. C'est quand même hyper illogique, quand même. À la limite, la première, je veux bien qu'elle soit dans une logique méticuleuse, en mode bon, tu vas taper un forcené chez lui, il est tout seul. Genre les trucs où on va taper deux mecs et on est cinq et on arrive. Bon, là, tu te dis putain, s'il y a une erreur qui est faite. T'es des mecs du SWAT, tu vas déloger un mec au petit matin, il est tout seul chez lui et qu'il y a un mec qui meurt chez toi, franchement c'est pas cool quoi. Ça c'est vraiment pas cool. L'autre question, est-ce qu'il y en a un de vous qui a traité un méchant mais qui l'a mis inconscient dans la soirée aussi? C'est peut-être ça aussi. Négatif, hein, franchement. Moi, celui que j'ai menotté là, le dernier là, c'était... Il était inconscient, C'était un civil ou un hostile? Ah, un hostile, mais je sais pas s'il était inconscient. Il était allongé du coup quand tu l'as attaché. C'est pas le fait que ce soit mort. Okay, en gros, il y a 5 suspects et on en a arrêté. On en a arrêté 5, mais il y en a un qui est inconscient. Mais en gros, on devrait être à 5 sur 4. Attendez, mais pourquoi il y en a un qui est inconscient? Bah, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû mettre une bastos. Mais comment? Je sais pas, parce que là, c'est le dernier qui... Moi, j'ai croisé personne en ennemi, donc... Ouais, j'en ai croisé aucun non plus, il y en a un qui m'a tiré dessus, et après, je vous ai rejoint à l'amphithéâtre, et après, je suis resté tout le temps avec quelqu'un, du coup. J'en ai croisé un seul que j'ai même pas arrêté. Sa personne que j'ai croisé, c'est les civils. Donc... Moi, j'ai arrêté celui que vous aviez déjà arrêté dans l'amphithéâtre qui était en bas. Après, j'ai continué avec Alro. Il y avait le mec qui était dans le couloir, Alro, mais tu lui mets dans le buste alors qu'il était déjà sous l'effet de la smoke, ouais, pour le voilà, coup. Voilà, ouais. Donc, j'ai même pas réappuyé. Et après, le mec du laboratoire, j'ai même pas tiré en finale. J'ai voulu vraiment balancer ma smoke parce que ça tirait dedans et je voulais vraiment l'arrêter. Balance la smoke et je meurs avec la smoke en main. Alro, le gars qui était sur toi, c'était celui-là qui était... Et je l'ai pensé comme ça, quoi. Oui, mais on est d'accord, celui que t'as passé, il était pas inconscient. Ah non. Ah, okay, merci, parce que c'est le seul à qui j'ai tué dessus, Léo, moi. Et justement, merci, Théo, pour Tino. J'ai peur justement de l'avoir tué, mais non, du coup. Et merci à l'animus pour Eli. Ils étaient genoux à terre. Ça se trouve, c'est juste le fait qu'on a un Pax qui est mort chez nous. Vous voulez retenter ou une dernière? Vas-y. Indépendamment de la note, hein, même si c'est B, si c'est B, on s'en fout. On s'en bat les couilles, ouais, parce que c'est... Oui, voilà. Mais une fois de plus, leur méthode de calcul est chelou quand même. Non, vas-y, Danny. Non, mais du coup, c'est sûr que c'était un suspect inconscient, du coup, vu ce qu'a dit Quentin, c'est ça. Mais qui le met inconscient? Vous voyez les shoots que vous tirez quand même, non? Je sais pas, je l'ai trouvé par terre. Oui, tu l'as trouvé par terre, mais est-ce que tu l'as trouvé par terre à un endroit où avant tu avais un shotgun au niveau de la tête qui l'a fait tomber par terre? C'est ça la vraie question en fait. Non, je n'ai pas encore tiré. Tu n'as pas tiré? Non, je n'ai pas tiré. J'ai balancé 3 smokes, c'est le seul truc que j'ai fait. Mais est-ce que la smoke sur sa tête? Oui, c'est ce que je me t'imagine. Aïe, ça va pas la tête! Non, mais moi je suis là pour tuer tranquillement des personnes et je me prends des smokes dans la gueule! Non, mais ça va pas. Après, ça me choquerait pas parce que au niveau de la cuillère, sur la grenade, flash, enfin, sur avant. Ouais, on a déjà pris des trucs où effectivement on était injured avec des explosions de grenades quand même. Et le mec d'hier. Je pense que le mec d'hier, réellement, quand on perd le truc là, je pense qu'il est inconscient à cause de l'explosion de l'impact de la flash sur le M320. C'est sûr. Parce que c'est vraiment vers là que je tire et voilà quoi. Mais si on avait poussé sans le mettre au sol. Le M320 encore, c'est compréhensible. Oui, parce que ça tape dur. Ça peut sonner, tu vois. Ouais. Mais par contre, une grenade à la main, bon. Ouais, non, là j'avoue. Ouais, autant balancer une boîte de conserve vide quoi. C'est ça. Bon, vas-y, on réessaye une dernière fois et on y va. En plus, il était pas mort, il était inconscient. Donc, ça se trouve, tu lui as envoyé les trois dans la tête, ça l'a assommé. Mais j'ai pas balancé de smoke sur la personne. Le F. Mais non, mais tu sais, genre, tu balances une smoke à rebondir quand t'as mur dans sa tête, ça suffit, tu vois. C'est des fragiles, les packs. Ils sont armés comme jamais, mais ils sont fragiles. Ils prennent une flash, ils en peuvent plus. Enfin, une smoke. Allez, go. J'ai juste fait un peu de tueur avec lui, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, tu veux. Bonne chance à tous. Ça tire sur nous déjà, Grumpy. Oh, mon écran est en train de lâcher l'âme. Oh putain, attendez, merde, j'étais pas là derrière. Putain, attendez, on peut redémarrer? Non, si. Ouais, ok, excusez-moi, j'étais pas du tout là. Je suis vraiment désolé. Je regardais. Ah. Merci Ina pour les 5€ et mon écran est en train de lâcher. Enfin, je sais pas, il est en train de clignoter à l'endroit où il y a les trucs. Merci, Poulet. Allez, en avant. Ok les gars, bon courage.
courage. Top reporting. Talk to pied. Tiens, ça tire à l'intérieur là, tu vois. Ouais, non, mais ça se trouve là, il y a déjà un cible. Ils ont des jets par balle, du coup, faut vraiment viser les pieds, je pense. Vas-y, chat avec toi, Denis. On sait pas, vous pouvez prendre des risques là, ok? Ouais, vas-y. Je vais direct dans dans l'amphi, moi. Moi, j'ai direct bibliothèque. Moi, je retourne cafette. Je vais dans l'amphi, moi. Ok, j'ai un contact sur moi au niveau de la cafette. Je smoke l'amphi. Je suis en bas de l'amphi. Je crois qu'on a perdu un gars déjà. Afi, on a perdu un gars juste au-dessus de moi, de l'amphi, au niveau de l'amphi. Un gars, okay, deux, un civil. Un chez nous, chez nous. Ah ouais, bah non, on a perdu Grumpy. Ouais, à mon avis, c'est au niveau de la librairie. Je suis dans l'amphi, moi. Ok, j'ai une bombe à mon niveau là. Civilian is cuffed and good to go. Good to go. LSPD, he's down now. Bombe à l'intérieur de l'amphi. Afi, j'ai un Pax mort. J'ai Grumpy mort au niveau de la librairie juste quand t'es à l'intérieur. La cafette déjà. Ok, tous. Ah, c'est un civil. C'est moi, le roi. Ouais, ouais. Ça en désamorce plus tard. C'est bon que tu veux. Non, c'est bon. J'arrive au niveau bas amphi. Stay calm while we sort this out. Je suis bas amphi. Je suis en face de toi. Ok, nickel. Y'a la bombe à diffuser. Sur le truc de l'amphi. Non, je m'en occupe. Balancez les cialumes, please, partout, les gars. Please, aux endroits où vous êtes passés, please. Devant les portes, des endroits fermés, vous les visitez, vous balancez un cialume devant, qu'on n'aille pas les visiter, please. Ok. Et laissez toutes les portes ouvertes. Ok, bombe désamorcée. Ok, t'es un monstre. Putain, là, il va rien avoir. Je pense qu'on l'a bien dans le cul. Je suis dans le hall principal, il y a des portes pas ouvertes. Je suis dans la librairie en haut. Quelqu'un vient de décéder. On a perdu quelqu'un. Juste au-dessus de moi là, juste au-dessus vers l'amphi. I want you to get down, hands in the air. LSPD, don't move. Gérer, c'est vers le labo chimie biblio. J'y suis là. Sur moi, un dans la biblio. Rendu. Ok, je rentre aussi dans la biblio. Non, 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 je suis dans le. Dans la bio. Ah. Ok, bah, il y a un contact biblio du coup. Ok, bien pris. Suspect secure. Ready for pickup. Talk to entry team. Copy entry team notifying trailers. Info? Ah, il est contact à la porte, Bibio. T'as bon, il s'est rendu. J'ai vu. Par contre, il y a une personne qui tousse. Je sais pas si elle est armée là-bas au fond. Talk reporting. Roger. Trailers inbound. Lights stick out. Ok, elle avait sorti un fan. Je sais pas où t'es mon poulet, je vais arriver. Là, je suis j'ai un mec qui bouge sur moi, j'ai peur. J'ai un mec dans l'escalier. Je suis blessé. J'arrive. Dans l'escalier principal. Ça bouge sur moi. Je suis mort. Police, putain, la vache, franchement, la smoke me sauve. Dégage, fils de pute, la fille de ma mère. Tu te relèves, je te matraque. Ça, la smoke que je me mets dans les pieds pour pouvoir me qui me sauve.
C'est pas tout à fait fini, hein. Ok. D'accord. Emilio! Ah, j'ai retrouvé tous les cadavres. De... Maman, ils sont tous morts au même endroit. Hands up, don't move. You have anything on you? Du coup, j'ai désamorcé deux bombes. T'as un monstre. Mais je sais pas si y en a encore beaucoup. Copy. Move on. Oh putain, les billes. Qui est derrière la porte là? J'ai une porte qui vient de s'ouvrir. J'ai rien ouvert. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte là. C'est quoi ça? Putain, j'ai j'ai une jambe cassée, je peux pas péter la porte quoi. Hands up, don't move. LFPD, don't move. Oh, je vais péter un câble. High ground to talk. Civilian is in custody, requesting escort. Ah ouais, tout le monde est KIA. Non, je suis là. J'essaie de revenir vers toi. LSPD, hands up. C'est chelou parce que c'était pas moi qui appuyais sur le F pourtant. Ok. Il reste un mec, hein. Sur moi. Ah, tu m'as fait trop peur. Nom de Dieu. Putain, heureusement que c'est non létal. Vas-y, on tape là-dessus. 3, 2, 1, top, go. Là, j'entends un contact à droite. Non. J'entends un marché pour toi. Vas-y, doit vas-y. Être en bas. Au milieu. Peace, les gars, mutez si vous êtes morts. Fais gaffe derrière la porte. Vas-y, 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 continue. Je t'en supporte sur toi. Je sais pas du tout où c'est, poulet. Hein. J'en ai aucune idée d'où c'est. Hein. Pas, il reste un mec. Hein. Là, j'ai une double porte. Ça se trouve, c'est une personne qui a pas été. Report ou je sais pas quoi. Tiens, là, j'en ai une qui a pas été. Melouti. Ok, je suis à l'XT. Element to talk. Civilian restrained and ready for transport. Mais c'est, y a toujours un shooter, je pense, hein. Roger, entry team. Great work. Keep going. Oh putain, je peux pas. Je me suis pété la jambe, quoi. J'ouvre une porte au rez-de-chaussée, une double porte battante bleue, là. Ok. C'est peut-être celle-là, du coup. Ouais, attends. Je balance une smoke dedans parce que j'ai peur. Y a du monde à l'intérieur. Ouais, je suis derrière toi. 3, 2, 1. Top. Je passe devant, comme ça je peux impacter le plafond au cas où. Ok, y'en a deux. Non armés. Vas-y, go. Eh, hey, il a un sac à dos, lui. Hein. J'aime pas les gens avec les sacs à dos. Rien ? Putain. J'ouvre, 3, 2, 1, top. Vas-y, passe devant. Y'a pas une armoire ? Fais gaffe aux armoires, aux trucs comme ça. Là, ça a été clear. Hein. J'ai balancé un salut. Là, c'est XT. Vas-y, repars. Putain. Là, il doit en manquer un quelque part. Ah ouais. À gauche, c'est. Ok, okay. Reste le. Ouais, continue là, je passe au-dessus de toi. Ok. Je fais l'étage et on va de l'autre côté après. Putain, j'ai failli te mettre une énorme cartouche, quoi. Là, ça a été fait, c'est là qu'il y a la meuf, mais ouais, putain, mais après il a pu bouger. Hein. Ah, je vois que la porte XT est ouverte, ça se trouve, il y a une petite personne qui est sortie. Ah, fais chier. Moi j'ouvre toutes les portes de toute façon. Je suis dans le hall principal. J'ai des portes en haut qui n'ont pas été ouvertes là. Regarde la porte si je die. Que je vais ouvrir. Okay. Tu vois? Ok, j'ai un garde ici. Police, hands in the air. You'll be home soon.
Mec, ça sert. Il a pas d'arme. Ah non, putain. Putain, mais c'est pas vrai. Dans l'amphi, peut-être, on aurait raté quelqu'un. Je suis dans l'amphi, bas amphi. Dans la salle informatique à côté de l'amphi. Ok, je t'entends à l'extérieur. En tout cas, je t'entends pas loin de moi. Ouais, c'est bon. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est une blague ou quoi, sérieux? J'ai trop peur que ce soit barré à l'exté. Hein. Report nos bonhommes. Ah, c'est fait, c'est fait. J'ai ramassé aussi leurs armes et tout. I want you to get down, hands in the air. LSPD, don't move. Put your hands up now. Show me hands. Now. Je suis à l'entrée nord, du coup. Sud, pardon. J'étais à l'entrée sud. Celle par laquelle on est arrivé. Je remonte l'escalier, là. Là, je suis à l'amphi. C'est pas vrai. Bibliothèque. Police, get down. Police, don't move. Bibliothèque, normalement, c'est bon. Je viens d'y aller. C'est là où il y a tout le monde qui est mort. Ouais. Et le mec a été arrêté ? Le mec a été arrêté, oui. Quand tu rentres sur ta gauche. Ouais, bien pris, bien pris. Vu. C'est pas vrai ! Non, il doit être dehors, hein, c'est pas possible. Ou alors il y a un truc qu'on n'a pas arrêté et les... Enfin, ou qu'on n'a pas trouvé, peut-être... pardon. Une arme. Peut-être quelqu'un qu'on a menotté et qu'on n'a pas... Un des civils qui se plante, ouais, ouf. Qui est pas vraiment un civil, quoi. Fait les toilettes, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est l'amphi. Et l'amphi, j'ai pas fait gauche. Ah bah, y'en a ici, là, qui est... Ok. Un civil mort. Ok. Ah, c'était un civil mort. Je pense que c'était le premier coup de feu qu'on a entendu quand on était dehors. C'est ville mort là que t'as, c'est... Bien joué. Il est déjà là de base. Et tu vois, c'est un peu... Ok, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout à l'heure, il y avait quoi? Tout à l'heure, on avait 2295. Ça, non? Ouais. Ah bah non, tu l'as sécurisé, donc non. 2295? Ouais, mmh. Un point, et que même je me rappelle plus qui a dit qu'il nous manquait 5 points pour avoir 2300, que le S était à 2300, non? Ouais, on pensait, ouais. Et au final, ouais. Non. Là, je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que... 50, ça veut dire qu'il serait le truc? Non, non, mais il faut éviter de backseat, les amis, de toute façon, donc oui, t'as bien fait, Bob. Je comprends rien. T'en avais parlé, ton tapis avait une odeur toxique, non? Ah oui. Ouais, le dernier plan, en fait, ça se trouve, il est tu... En fait, il y a deux stades. Tu le laves à 40 degrés au tapis de souris, autrement, c'est dégueulasse, Apollo, et ça te monte à la tête. C'est toxique, hein. En fait, ça a l'air. Les tapis de souris avec du caoutchouc en dessous qui sentent mauvais, là, tu les laves tout de suite. Mais du coup, ça le rend inconscient, et du coup, tu perds des points là-dessus. Ouais, mais Zénon, mais prends un sable avant de sauver tous les civils. Parce qu'ils sont pas morts. Ouais, exactement, le rond. Mais ils sont quand même inconscients, et du coup, on perd des points là-dessus. Okay. De quoi t'as bah, dit quoi pense... poulet? Parce que le dernier civil là que Quentin ouais, y fait ouais. Il la reporte mais il est inconscient, il est pas mort. Donc l'IA ennemi lui a tiré dessus mais elle l'a pas tué en fait. Ouais. À mon avis c'est ça, il y a deux stades. C'est quand l'IA il tire, bah soit il les bute ou soit il devient inconscient. C'est aléatoire ça par contre. Et à mon avis on perd des points là-dessus. Parce que je vois... Ouais non parce qu'on a plus de points que tout à l'heure et il y a plus de morts. Clair, on est mort plus. Je comprends pas moi. Je comprends pas leur système de points. Mais oui, je vous ai déjà dit qu'il est totalement déconnant.
Bon, faut tous mourir, peut-être qu'on aura le S. Hein. Ok, bon vas-y, on va se mettre dans une logique de jeu vidéo du coup, ça m'énerve un peu parce que ça pète un peu la logique de RP, mais juste pour aller chercher le S. Quelqu'un tout à l'heure a parlé des soft objectives. Tu peux me leur dire plus, celui qui l'a dit dans le chat, les soft objectives. Du coup, ça peut être les objectifs du genre, vous savez, dans Valley of the Doll, elle était pas marquée le fait que les mecs aient... Ouais, comme... Il y a des objectifs qui sont pas marqués, ce qui est un peu, voilà. Genre, trouver les archives que le mec est en train de brûler, par exemple. Ça, c'était ouais, pas ça, marqué pas dans marqué. Le truc, tu vois. Non, non, et je suis passé à côté. Ouais. Mais t'en as un peu dans toutes les missions, quasiment, ouais. Je viens de vérifier, il y en a pas sur le collège. Ah, Inas, c'était toi, mon poulet, t'es un monstre, si c'est le cas. Ah bah, c'est toi qui m'as envoyé ça. Steam, bibliothèque, Ready or Not, hub de la commu, guide, soft objectifs S. Ah d'accord, donc au final le mec met des soft objectifs, donc des objectifs qui ne sont pas dedans pour avoir le S. Moi je pense que ça va jouer sur un time, d'accord. Ça se joue sur le fait que les mecs soient, soient conscients ou inconscients. Mais c'est pas ça le temps de mission qu'on met. Si je pense, parce que là on a mis combien de temps, 6 minutes 12. Non. 12. La première fois on a mis 6 minutes, non, là on a mais mis le problème du temps de mission ouais. C'est 11 minutes, c'est parce que ça va péter. Ouais, je sais mais pas c'est alors. Débile, tu peux pas mettre un... tu peux mettre un temps de mission sur le fait d'arrêter les mecs, tu peux pas mettre un temps de mission sur l'intégralité de la mission, encore un truc complètement con. Ouais, bah, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est le... pour moi, c'est le mec qui est inconscient à la fin, c'est tout. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est ça aussi. Je veux bien... Vous voulez qu'on retente une dernière fois et on attaque par l'autre entrée? Vas-y. Vas-y, on peut, hein. Ouais, ok. Alright, everybody, settle down and listen up. Attends, we've got active shooters in the WAC community. Ok, tais-toi. Enfin, le bonhomme là. La bibliothèque, il a fait un massacre. Le mec, il était dans un petit coin. AK-47, il va rien faire. Si on tape. Du coup, il y a combien? Déjà, il y a que un étage, on est d'accord. Rez-de-chaussée plus étage 1. Ouais. Ok. Regardez du coup sur les... Il y a des informations par rapport aux suspect scene. Sur les suspects qui ont été vus du coup, ok. Donc ça veut dire que clairement c'est tous... la majeure partie des trucs se trouve au niveau de l'amphithéâtre. Donc c'est le premier truc qu'il faut aller rush. Ok. Regardez nous, là, la map. Et on passe avec Grumpy depuis tout à l'heure, il y a toujours minimum un pax hein, dans le coin. Donc il y a toujours un mec dans la librairie. Ouais, donc faut qu'on fasse comme tout faut à l'heure. Faut qu'on la tape à deux. Ah mais non, on est sur le côté, ouais. Comme vous voulez, moi, hein. Non, c'est bon, on peut lancer l'autre côté aussi, mais... Mais il y okay. En a toujours un minimum librairie, toujours un minimum vers la librairie. Ok, bah... Vers l'amphithéâtre. En revanche, le but du jeu, du coup, à la limite, on peut essayer de faire un truc, c'est que tous les civils qui sont, qu'on voit qui sont civils cette fois-ci, bon, même si c'est pas vraiment très réaliste pour le coup, on les laisse derrière, ok. On perd même pas de temps sur les menottes, on trouve vraiment les mecs qui ont des armes, quoi, point. Ouais. Okay. Point, on perd zéro time, on tape directement sur les mecs qui ont des armes et qui shootent quoi. Et on se parle tout le temps. En vrai, ça reste un peu réaliste quand même parce que le SWAT quand ils interviennent, t'as une équipe derrière qui les suit de loin donc. Bah ouais. Donc justement pour les civils. Ok, droite très rien déjà. Ok, je continue là, vas-y on split. Hein. Un autre qui vient avec nous, voilà parfait. Là y'en a un qui rentre à gauche, là. Ça tire direct. Ok, c'est mort, deux mecs morts chez nous. On a deux mecs de Delta Charlie Delta. Porte ouverte. Hands up, don't move. Police, get down. Mama. T'inquiète. Contact à la porte, fais gaffe. Je smoke à gauche, je smoke à droite. Et on y va. Et il est à droite, je crois. Ouais, j'y vais. Derrière la porte, il est derrière la porte. Oh, je le gère, vas-y, coiffe, continue. Oh l'accueil qu'il aura fait. Moi je continue à progresser dans le couloir. Laissez toutes les portes ouvertes, please. Putain, nique toi. C'est moi, bleu. Okay. Let's go. L'amphi, les gars. L'amphi. En avant. Vas-y, je passe par le top, Quentin. Ok, bah moi je veux passer en bas. Par le bas. On met trop de temps. Ok, ma porte est bloquée. Ok, allez, Quentin, vas-y. Deux civils sur moi. Attends, je lance une smoke. Vas-y. L'amphi. Vas-y, go.
Ok, top de l'amphi clean. Bas de l'amphi, on y est. Bas de l'amphi, je vois rien. Bas de l'amphi, je vois rien. J'ai pas balancé de smoke en revanche. Je continue dans le petit renfoncement là, y'a rien. Je balance un ciel, barre-toi poulet. C'est bon. Ok, faudra se souvenir qu'on peut passer par là. Balancez les allumes partout les amis hein. Allez-y, vas-y, faites que ça. Dans l'amphi, top de l'amphi, ça donne quoi? Top de l'amphi, c'est clean. Mais derrière aussi, il y a deux civils. C'est pas possible, ils sont où ces fils de pute? Ok, civils, je l'ai vu. Je suis dans le main. Je suis derrière l'amphi. Ok, j'en ai un sur moi. Il rentre dans l'amphi, dans la librairie. Librairie, très bien, je sais pas où elle est la pute. Ok. Deux sur moi, deux dans la librairie, effectivement. Deux dans la librairie, ça va me pousser. Sortie librairie, je crois. J'arrive. Ok, je vais en traiter un, mais ça retire dans la librairie. Là où j'ai balancé la smoke. Dedans, y'a du monde. Ok, je balance aussi la smoke. Contourne par la droite. Ma courante à gauche, poulet. C'est bon, c'est smoké à l'intérieur, vas-y, go. Ça tire dedans? Non, c'est à droite, il est... Et si t'es mort, tu te tais hein. Non, il est... Ok, je l'ai. Ah, je l'ai. Enfin, si c'est lui, continue dans l'escalier derrière moi. Continue dans l'escalier derrière moi, poulet. Ok. Par contre, j'ai vu zéro bombe. Ok, pareil. Let's go, on commence à prendre les armes, on commence à gérer les civils. Combien de mecs ça fait arrêter? Ça va faire 3 mecs arrêtés normalement, non? C'est 3 en total ou pas? Je crois que c'est 4-5. Putain la vache. Mais là par contre on a trouvé 0 bombes. Ouais, ça c'est pas cool, ça va taper. T'es au rez-de-chaussée, t'es au rez-de-chaussée toi? Oui. Ouais, j'ai pas fait tout ce qui est. Je reviendrai tout à l'heure, madame. Lis un livre. Hein. Okay. Ah, j'ai tout vu. Non, mais bon. RIP. Ah, mais bon, voilà. C'était une personne. Oui, il a rien demandé, quoi. On est bien aux États-Unis. Proviseur, hein. Ouais. je l'ai one tap, hein. Désolé, j'en ai marre. Allez, je vais vous faire enculer. J'en ai marre. Arrêtez de descendre, parce que voilà comment vous allez finir. De toute façon, toi, je t'aime pas non plus, enculé. Au moins c'est réaliste. Bah ouais, je suis policier, le mec était un peu bronzé, je l'ai niqué quoi. Je suis bien un policier américain. Tadam! Officers are waiting outside. Ah nom de Dieu. Elle est bon, ça prend pas explosé là? Oh yeah, I saved you! Yeah! What the fuck? Civilian is hit. Civilian is hit! Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, vous voulez la refaire? Ah le débile. Police des USA, très réaliste. On peut pas remettre l'entrée. Je comprends pas pourquoi c'est démonétisé mes vidéos, j'avoue. Ok, une dernière. Putain, ça m'énerve là, c'est mon côté. Ah! Oh, t'as dit que MDR. Allez, karma. Il a dit une dernière, tiens. Allez, tiens. Ok, et ce qu'on fait, les gars, Grumpy et l'autre. Grumpy, t'es là? Oui. Ouais, ce qu'on peut faire si vous voulez, c'est dès le début, quand on fait 4 mètres, on évite de mourir. Non, mais ils nous attendent à la porte. Ah ouais, bah, toujours ready, always ready, man. Hein. Ouais. Vas-y, let's go. Je vais vers la porte, il m'a défoncé. Voilà. Le silencieux smoke, du coup. Du coup, maintenant, j'arrête de faire les portes, je vous laisse ouvrir les portes. Hein. Bon, il y en a qui a acheté une smoke, en fait, celle n'est pas bonne. Non, mais bon, c'est trop. Le porte ouverte sur moi aussi, faites gaffe. Thank you.
enfermé à gauche. Ah mais du coup vous me laissez passer tout seul à l'endroit où il y avait un mec. Merci la police hein. Ça tire, ça tire. Ça tire sur vous dites-moi. Sur Grumpy. Ah ça va. Ça va Grumpy, Grumpy. Ah Grumpy, rip oh, encore. Non, 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 je suis là, je suis là. Ah ouais d'accord, ok. C'est juste que j'ai un petit à côté. Element to talk. Talk reporting. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Putain. J'ai rien là. Ok, nickel, je continue. Je suis en train de parler à des extincteurs, les mecs. High ground to talk. Talk to entry team. Ok, j'entends les mecs qui sont amphi et librairie en fait. Amphi, c'est clean. Amphi, c'est clean. Drop it. C'est moi, bleu, bleu, bleu. Il y a une bombe là sur le grand prix. Un mec arrêté, hein. Ouais, pareil, un aussi. Ok, j'attends-moi. Ah non, j'ai entendu dans l'escalier, escalier. Lesquels d'escalier? Parce que non, c'est pas quoi ici. Il y a les verts et les bleus. Ah bah je crois que... Ah. Info, affirmative, il est mort. Quels escaliers? Mais ta mère, j'ai pas le temps de faire des calls là, il s'est cru sur mon réseau ou quoi l'autre là? Ok. Bah, du coup, il doit être. Six, balance pas des smokes s'il y a personne. Darkos, ferme ta gueule, ok? Tu commences pas à me casser les couilles et à me donner des conseils, ok? Vous allez pas me faire chier là! Il est sur moi. Ok, je descends côté amphithéâtre, j'arrive. Il va pas se rendre. J'arrive derrière toi. Il va pas se rendre. Lance une smoke. Ouais, j'ai la. Ça part. Ah, trop loin, je crois. Je pars à gauche. Ok, il bouge dans la smoke. Il est dans la smoke. Il est redescendu. Il est rendu, il est rendu. Il est rendu, ok, parfait. Vas-y, je m'en occupe. Vas-y. Là, je lui ai mis, je sais pas combien de balles de shotgun, mais. Medical assistance is standing by. Ah, il va visiter un truc qu'il a déjà vu. Merci Noxim pour le fait d'être un nouvel étudiant. Toi, t'es sympa. Les autres, vous êtes des gros fils de pute, de toute façon. J'aimerais vraiment, en ces périodes de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, etc., que vous sachiez que du coup, qui va me payer mon foie gras? Qui? Qui va me payer mon caviar? Hein? Qui va me payer ma dinde? D'accord? Je vais devoir manger des raviolis. Des fucking raviolis, les gars. Ok? Et sans tofu, en plus. À cause de qui? À cause de tous ceux qui n'ont pas des badges devant leur pseudo, ok? Parce que vous êtes des petits rats. Vous avez neutralisé du coup combien de gars armés, du coup? Là, il y en a un sur nous, deux. Voilà, merci. Ça, c'est pour le foie gras. Merci Théo pour Spartan de m'avoir offert ses droits. En plus, mon écran est vraiment... Grande lame. J'ai une bombe sur moi. Il y a un mec décédé sur moi. Oh non. Ah. Vous avez menotté ici. J'ai une porte aussi là, j'ai une porte verrouillée. Ah mais Grumpy il est Delta Charlie Delta aussi non? J'attends du monde derrière. Ah non, ils sont tous en vie en fait. Grumpy il est juste muté, il n'a pas de problème. Merci Théo pour Spartan, toi t'es pas un rat, les autres vous êtes des gros fils hein. En boîte. Mais oui, je vais devoir bouffer des raviolis William Sorin les gars. William fucking Sorin quoi. Si seulement je mangeais mieux, je pense que je pourrais vous donner des, du contenu de meilleure qualité. Ok, ça en fait deux, je crois. Bon, après, on va pas sur une autre mission en mode tryhard. Là, c'est trop gaming. Est-ce qu'il y a un cadeau pour ceux qui sont déjà seuls? Tu vois ce que je veux dire? Ok, est-ce que des civils ont sauvé là? C'est ce que je suis en train de... Okay. Ils sont tous en fils, c'est toujours le même qui meurt. C'est ta race là, je viens de traiter deux mecs. Oui, merci Kishin pour les 8 mois, toi t'es un monstre. Je t'enverrai un snap du chapon fourré au foie gras. Un snap, t'as cru que j'avais Snapchat sérieusement? T'as cru que j'avais 14 ans, sérieux, que je montrais ma bite? Il y avait au moins 2-3 civils que j'ai pas sécurisé encore. J'ai fait les civils les premiers. Fait, ok. On avait 2 je crois, ça. Et un qui était côté escalier. Oh là là. Il y a quelqu'un qui saignait du nez là. Il en a mis partout et tout, c'est dégueulasse.
We've got this under control. Let me see those hands! Police! Entry don't move! Doc. Arms outstretched! We have an individual in custody. Talk to high ground. Il a MSN, lui, c'est un ancien. MSN, c'est pas un truc d'ancien, les mecs. Vous auriez dit ICQ. Là, vous êtes un vrai, quoi. Vous IRC, fait, à la limite. Y a qui a fait des bons, ouais, là, c'est des trucs d'anciens, là. MSN, non. C'est un truc de, d'ancien. Qui, c'est un truc de jeune qui se fait passer pour un ancien. J'ai une bombe désamorcée, là, dans la question. Tu viens de résumer la fonction de Snap. Ouais, je sais, ouais. D'envoyer sa bite. On a tout vu. Pourquoi il est en train de m'enculer, lui? Qu'est-ce qu'il du fait, coup, là? Personne a signalé le garde blessé à l'entrée, là. Pourquoi il est en train de tripoter mon corps, lui? Non, moi, non. Le garde blessé. Ah, bah, si, il a été fait, apparemment. Campi, on t'entend plus, en cas où. Ça fait une heure qu'on l'entend pas. Oui. Okay. Super, on nous oblige à nous sub. Ah ouais, bien sûr qu'on vous oblige à vous sub, bande de blaireaux. Encore heureux. Avec un contenu pareil. Autrement, vous allez bouffer quoi, les gars? Si vous vous subez pas, vous allez avoir que des mecs, qu'est-ce qui va vous rester sur le Twitch game? Qu'est-ce qui va vous rester sur le Twitch game? Des wok et inox tag, les gars. Inox tag, les gars. Salut, frère, on va faire un petit Fortnite et tout. Demain, je vais monter l'Everest et puis bah après, je vais aller... je vais dormir 48 heures sur l'autoroute. Ouais, je suis en train là, de refaire encore. Les gars, please. Respectez-moi, respectez-vous, respectons-nous. Donnez des subs. 6-4, tu offres quoi pour Noël? Comment ça, j'offre quoi pour Noël? Mais les gars, avec moi, voilà, voilà, ça c'est beau, ça. Voilà, ça c'est... regardez, KO, KO, bu. Ça, c'est un mec sympa, ça. Qu'est-ce que j'offre pour Noël? Je vous donne du contenu de qualité depuis 1998. Je suis votre cadeau de Noël... 276 jours par an. Merci infiniment au KO. T'es un monstre, toi. Putain, j'essaie d'enlever les trucs sur mon écran, mais l'écran est en train de mourir, en fait. Je peux pas vous le montrer, mais... Envoyez plein de GG, plein de cœurs, s'il vous plaît. Pour KO, qui offre la possibilité à Numéro, à 135, à Nak, à un bot, à Souf, à Antonix, à Trafic, à El Maria, à Totox et à Smoke, sur leur scolarité. Envoyez des GG et des cœurs, s'il vous plaît. Pour KO. Cacao. Mais c'est pas cacao, c'est pas comme ça, si? Cacao. Oh! Hasard, moi j'ai un qui est mort. Oh non, ouais, mais j'étais en train de faire des conneries et tout, je peux même pas le mettre le VOD, quoi. Comme quoi, qu'est-ce que j'avais dit depuis le début? Parce que bon, vous m'avez pas écouté, etc. Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? C'est que tu es mort. T'es mort. Non, niquez vos races! C'est quoi qui a changé? On n'a pas mis de tête à un civil. Non! C'est quoi? El Maria, passez droit ou quand on a un civil en plus. Voilà, il y a 15 civils et pas 14, je l'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est toujours pareil sur ce jeu. Ah mais ça on l'a dit dès le début. Ouais, tu vas me parler sur un autre ton, toi, enculé. T'étais mute pendant 45 minutes sur la machine, là. Affirmatif. Ouais, voilà. Attends. Merci Théo pour Mitochondrie de lui avoir offert ses droits de scolarité. Merci du coup Cacao pour Antonix, Traffic World, El Maria, Totox et Sponks. Voilà, envoyez des GG, des cœurs, le monstre. Mais bon, à part. Ok, non, vous êtes des monstres. En revanche, je préfère carrément la mission d'hier avec l'intensité d'hier. Oui, moi j'aime pas comme ça. Bah non plus. Bah oui, mais là, voilà, je n'aime pas dès que ça enlève le côté RP. Là, on est en mode jeu vidéo. Faut taper le plus rapidement possible. Il y a aucune logique. Là, t'es dans une logique jeu vidéo. Faut balancer de la smoke. Limite, faut envoyer un B52 qui balance une énorme smoke sur le machin. Tout le monde tousse à l'intérieur. Terminé. Non mais c'est vrai, là c'est... Enfin c'est pas fun les trucs comme ça. Non là... Je préfère clairement le... Ouais bah non. Ouais, je préfère clairement le truc d'hier. Allez let's go, on va repartir sur du RP.